Alors oui, étant originaire du Congo, j'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai fréquenté l'église dès mon jeune âge, ayant des grands-parents pasteurs, ayant une famille vraiment dans l'évangile. Mon père a été celui qui m'a acheté, qui m'a offert ma première Bible. Hein. Je me souviens que lorsque je suis venue en France, je m'attendais à ce qu'il m'offre un cadeau particulier parce que je partais pour une très très longue période et j'étais surprise. Donc il m'a offert mon cadeau et je me suis dit, et il m'a dit d'ailleurs, de ne l'ouvrir que quand je serai dans l'avion. Mais en fait, j'ai désobéi, je l'ai ouvert avant. Et quand je l'ai ouvert, j'étais tellement déçue parce que c'était une grosse Bible. C'était un très gros cadeau et j'imaginais autre chose. Mais en fait, non, c'était une très, très, très grosse Bible. Et finalement, je me suis rendu compte que ce cadeau-là était vraiment le symbole de ce qui m'accompagnait et de ce qui allait se passer par la suite dans ma vie. Lorsque j'ai quitté le Congo, j'avais 10 ans. Et avant ces 10 ans, j'ai vécu des choses spirituelles avec le Seigneur. J'allais à l'église très quotidiennement parce que je n'allais pas que les dimanches. J'allais aux réunions de prière avec mes tantes, avec mes mamans, avec ma mère. Bon, je dis mes mamans parce qu'au Congo, en fait, la tante, c'est la maman. La sœur de la mère, c'est aussi une maman. Donc j'y allais avec toutes mes mamans, avec mes cousines, avec mes cousins, avec mes tontons, avec mon père, j'allais à l'église. Voilà, j'ai vraiment rencontré l'église, la vie de l'église avec ma famille parce que ma famille y baignait, était complètement dans la culture de l'église. La culture de l'église était à la maison on bénissait le repas, on priait avant de dormir, on avait des cultes de famille. Je pense le jeudi soir, si je ne me trompe pas, ou le mercredi, on avait nos cultes de famille. Et au-delà de ça, dans la semaine, on allait aux réunions de prière. Et moi, j'accompagnais mes cousines à des répétitions de chantre. J'ai même fait partie de la chorale en fait, des enfants qui voyageaient de ville en ville, prêcher l'évangile. On organisait des croisades. C'était vraiment une expérience particulière pour moi. Et malheureusement, la guerre est arrivée au Congo et ça a été le moment pour moi de remettre en question un peu Dieu et tout le reste parce que j'avais été séparée de ma famille pendant une année. Je me suis retrouvée dans une famille que je ne connaissais pas du tout et dans une ville que je ne connaissais pas à cause de la guerre. Et à ce moment-là, je me suis quand même posé pas mal de questions parce que j'avais eu des nouvelles de mon père, mais on m'avait dit qu'il était certainement décédé, et des nouvelles de ma mère, et on m'avait aussi dit qu'elle était certainement décédée. Donc cette année-là était une année très difficile et une année où je remettais vraiment en question l'existence de Dieu. Ensuite, je suis arrivée en France, et en France, voilà, j'ai cherché une église chaleureuse, j'ai cherché l'ambiance que j'avais connue avant, mais je ne l'ai pas trouvée. C'est peut-être 3 ans plus tard, j'ai rencontré une amie qui m'a emmenée dans mon église actuelle. Le prédicateur, c'était une réunion des jeunes, une évangélisation, et l'homme de Dieu donnait son témoignage. J'ai été très touchée par son témoignage parce qu'il ressemblait vraiment beaucoup au mien, et je me suis tout de suite identifiée. Je me suis dit dans mon cœur, je veux être comme lui, je veux être comme cet homme. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis encore cet homme. Je marche avec lui, je le sers. Il m'a formée, il m'a éduquée. Et je remercie le Seigneur parce que c'est par le biais de cette église que j'ai rencontré véritablement le Seigneur. Avant, j'ai réalisé que ce que je vivais dans l'église n'était qu'une expérience de l'église. C'était religieux, en fait. Je faisais des choses par religion, mais je bénis le Seigneur tout de même d'avoir reçu cette éducation. Parce que je pense que sans ça, je n'aurais pas eu accès véritablement à la présence de Dieu. J'ai goûté à la présence de Dieu et je suis venue en France et j'ai eu certaines expériences dans la vie à mon jeune âge. Mais j'ai tout de suite compris que ce qu'il me fallait, c'était Dieu, et le Seigneur est rentré dans mon cœur et dans ma vie et il a tout changé.